matière d'introduction à ce concours Eurovision destiné à couronner la meilleure chanson 1975, concours qui se tient, vous le savez, en Suède, à Stockholm. Voici, mimé par Sidney Carlson, britannique et comique attaché à la télévision suédoise, une recherche que je qualifierais de globale et aussi une tentative d'explication de la Suède des origines à nos jours. Commençons par la géographie avant d'en venir dans un instant à l'histoire. À l'origine, White is White, la Suède commença par la grande saison du blanc de l'époque glaciaire. L'ours y était polaire et le viking hirsute, exactement comme aujourd'hui. D'ailleurs, les choses n'ont pas tellement changé. Les filles étaient déjà belles et chaudes, ce qui est appréciable dans ces régions, et ne disposaient pas pour protéger leur personnalité des garanties qu'elles ont aujourd'hui. L'occasion, à l'époque, se saisissait par les cheveux. Et pourtant, les vikings, sur leur drakkar, venaient chercher des filles jusque chez nous en Normandie. Juste retour des choses, le mouvement se ferait plutôt aujourd'hui en sens inverse. La guerre de 30 ans donna l'occasion aux hommes suédois de connaître le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Au XVIIIe siècle, heureusement, Gustav Adolf, celui que l'on appela le roi charmant, s'inspira de l'exemple de la cour et des jardins de Versailles, où entre parenthèses le suédois Fersen faisait tourner les têtes les plus augustes, pour cultiver avec les mœurs champêtres la musique, les roucoulades, les yeux de biche et la danse. De ce retour au chant, au retour à la chanson, il n'y a qu'un pas. Car nous voici déjà au XXe siècle où plus rien ne nous étonne, sauf qu'il existe encore des frontières à notre curiosité. Où tout ce qui tient la gorge et cache le sexe nous paraît un symbole d'obscurantisme hérité des civilisations passées. Où le seul écran que l'on supporte est celui de la télévision, qui nous rend témoins et complices de toutes sortes d'activités humaines. Blasés de tout, nous affirmons, lorsqu'on nous interroge, que nous connaissons la chanson. C'est pour nous conforter dans cette illusion que nous allons nous retrouver ce soir ensemble à Stockholm. Deux mots de Stockholm. Et pourquoi deux mots? Survolons plutôt en silence la Venise du Nord, où le printemps commence à faire miroiter la glace des lacs, avant de nous retrouver dans un instant, dans cette nuit du 22 mars 1975, pour ce concours d'une chanson dont on souhaite qu'elle soit, autant que possible, d'amour et de paix. Nous y voilà, avec l'orchestre symphonique de la télévision suédoise, dirigé par Mats Olsson. Avec les trompettes, avec les grandes orgues, et dans un instant avec la présentatrice Karine Falk, qui va commenter pour nous le spectacle en suédois, en anglais et en français. Vous ne connaissez pas votre bonheur d'avoir des présentateurs monoglottes. Välkomna till Melodifestivalen 1975. Det här är ett sånt här program som går ut till några hundra miljoner tittare, så att vi kommer att tala franska och engelska programmet. Men ni svenska tittare kommer att ha en god ledsagare, ledsagare i Åke Strömmer. Det bästa är ju gott nog, inte sant? Det var väldigt skönt att få starta ut och tala lite svenska ord innan vi nu ska hälsa våra utländska gäster välkomna. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Karin Falk. And if I haven't fainted with the excitement of it all, it's just because I'm happy to wish you very welcome to this Eurovision Song Contest 1975.
which is being televised from Stockholm. It's the 20th contest of its kind, which should mean that it's now time for a certain amount of light entertainment with music. But a Danish poet once wrote, to think that fun is simple fun, while earnest things are earnest, shows all too plain that neither one thou truthfully discernest. And I think he's right. You know, behind me in the wings, there is an enormous excitement among the artists who are going to present their country song shortly, and whose contributions are going to be judged by the countries taking part. It is a fantastic thought that we are about 500 or 600 million just now sitting and waiting for the same program. I should tell you that the order in which you will hear the songs has been decided by lot. And once again, very welcome to this program. Who will, what do you say? What will decide? Nay, that will decide what song is going to win the Grand Prix 1975. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mon nom est Karin Falk, et si je ne défaille pas en vous voyant tous ainsi, c'est sans doute parce que je suis tellement heureuse de pouvoir vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à ce concours Eurovision de la chanson. Et nous allons nous détendre dans une ambiance musicale. La vie n'a qu'un charme vrai, c'est le charme du jeu, a dit le poète. Et je suis presque prête à lui donner raison, mais derrière moi, dans les coulisses, il y a des gens qui ne sont pas sous le charme, plutôt sur des chapeaux ardents. Ce sont les artistes qui vont tout à l'heure présenter la chanson de leur pays et dont les participations vont être jugées par les jurys nationaux dans les pays, différents pays participants. Sachez que nous sommes 5 ou 600 millions de personnes occupées en cet instant par le même programme de télévision. C'est fantastique, oui, non? Je trouve que oui. Et j'ajoute que c'est le sort qui a décidé dans quel ordre les chansons seront présentées. Encore une fois, soyez les très bienvenus à ce programme qui décidera de la chanson victorieuse du Grand Prix 1975. And now, ladies and gentlemen, it's time for the first song in this Eurovision Song Contest. Voilà. 600 millions de téléspectateurs, c'est de l'inflation, ça vous, je ne m'y connais pas. 29 pays retransmettent, y compris l'URSS. C'est dire l'importance de ce jeu. Certains seront peut-être sensibles aux à côté ou aux raisons économiques ou financières. Nous préférons ne voir dans la chanson qu'une langue commune et qu'un message d'amitié. Voici, désigné pour commencer par le tirage au sort, comme à Longchamp, pour l'ordre de départ, voici les Hollandais. Les Hollandais nous présentent un groupe, Teaching Group. Vous verrez d'ailleurs chacun des concurrents venir se présenter en dessinant sa propre caricature. C'est ainsi que les Hollandais se voient. La chanteuse du groupe, c'est Getty, que vous venez d'apercevoir. Et le compositeur s'appelle Dick Bakker. La chanson s'appelle Ding Dang Dong. Quand tu te sens bien, tout va à merveille. Et c'est une chanson qui dit Ding Dang Dong. Vous voyez que c'est pas davantage sorcier en Hollande qu'en France. Les paroles des chansons. Quant au compositeur, il s'appelle Dick Bakker. Et nous allons le saluer dans quelques secondes avec nos applaudissements. D'ailleurs, il s'applaudit lui-même un petit peu aussi, ce qui est le signe d'une saine prudence. Tomorrow, and you walk along with you, ding, ding, dong, ding, dong.
sing a song that goes ding, ding, dong. Ding a dong every hour, when you pick a flower, even when your lover is gone, gone, gone. Ding a dong, listen to it, maybe it's a bigot, even when your lover is gone, gone, gone. Sing, ding, dong, dong. Ding, dang, dong, ding, dang, dang, dong. When you think it's all over, they let me down. Dry your tears and forget all your sorrow. Try to smile while you say goodbye. Des chants en anglais. Je me pose des questions. L'anglais a la réputation d'être une langue technique. La langue des chansons devrait être au moins le français, qu'on nous laisse là. Et beaucoup de concurrents, les Hollandais pour commencer, les Irlandais pour suivre. C'est encore plus bizarre. Ils pourraient chanter en gaélique, mais non, ils ont choisi l'anglais. Ces Irlandais sont deux frères, les frères Swarbricks, qui appartiennent à une famille de 11 enfants, qui sont très réputés en Irlande, qui l'étaient jusqu'à aujourd'hui et qui sont réputés dans le monde demain. Qui ont écrit la chanson dans le titre britannique et That's What Friends Are For. Voilà à quoi servent les amis, les traductions libres. Le chef d'orchestre dans un instant sera Coleman Pierce. Et la chanson raconte un petit peu quand tu es seul, quand tu as le cafard, quand tu as besoin de parler à quelqu'un, quand tu as besoin de bavarder, quand tu as de grands et nombreux ennuis, quand tu les vois s'accumuler à ta porte, tes ennuis. Voilà à quoi servent les amis. Et voici Karine, le chef, Coleman Pierce. When you need a talking to, and when trouble's full and plenty come piling at your door, that's what friends are for. Ladies and gentlemen of the whole wide world, if every now and then a single voice was heard, telling it like it should be, making it simple and plain. If that man needs a helping hand, help him in from the rain. Now I know you well, and I know that you've been worrying. It's not hard for me to tell, but I'm standing right beside you. Of that you can be sure, that's what friends are for. Ladies and gentlemen of the whole wide world, if every now and then a single voice was heard, telling it like it should be, making it simple and plain. If that man needs a helping hand, help him in from the rain. So remember, take your time, just be sure.
sure and let it harmonize. Yeah, be sure and let it rise. Quand les 11 de la famille chantent en même temps, ça doit faire du bruit. Nous arrivons à la France maintenant. Tout de suite, la France, représentée par une voix douce, qui est la voix de la femme par excellence. Une voix qui va jusqu'au fond des choses et jusqu'au fond des cœurs. La voix d'une fille saine qui s'appelle Nicole Rieux. Une fille pleine d'humour et de tendresse, qui ne se prend pas au sérieux et qui, à mon avis, représente très très bien la France. Elle a une bonne équipe autour d'elle. Le compositeur est Jeff Barnell, qui a écrit beaucoup de chansons pour la plus grande partie des chanteurs français, Marie Laforêt, Claude François, Nicole Croisy, etc., qui était étudiant en chimie, et l'auteur est Pierre Delanoë. Pierre Delanoë, lui, était étudiant en droit. Il avait l'ambition de devenir fonctionnaire des finances, et pour notre plus grand plaisir, il a choisi l'arithmétique des notes, pour le plaisir de Beko, pour le nôtre aussi. Le chef d'orchestre sera, pour accompagner la voix de la France, Nicole Rieux, le chef d'orchestre sera Jean Musy. Qui a fait déjà beaucoup d'arrangements, qui n'a rien de péjoratif dans le monde musical, pour la plupart des grandes vedettes françaises de la chanson. Nicole Rieux, et bonjour à toi l'artiste, la France. Et bonjour à toi l'artiste, de n'importe où, qui fait les jours gais ou tristes, toi qui changes tout. Tu nous offres la musique comme un cadeau, toi le magicien des temps nouveaux. Et bonjour à toi le peintre de la lumière, qui connaît toutes les teintes de l'univers. Tu vas faire de l'an 2000 un millénaire, le plus beau de l'histoire de la terre. Il est temps d'acheter les couleurs. Il est temps de te mettre au labeur. Il est temps, toi le compositeur, te donner de tout ton cœur. Il est temps. Et si tu commençais maintenant, demain tout serait prêt. Il est temps. Tu fais ce qui te plaît, prends tout ton temps. Tu vas nous changer le monde, tu vas chanter pour nous faire oublier le passé. Il est temps d'acheter des couleurs. Il est temps de te mettre au labeur. Il est temps, toi le compositeur, de te donner de tout ton cœur. Il est temps. Et si tu commençais Nicole Rieux, aurez-vous peur de chanter devant 600 millions de téléspectateurs? Elle a répondu non, moi je chante pour ma maman.
signale entre parenthèses que les journalistes hollandais ont tendance à jouer beaucoup. Sur 27 journalistes hollandais qui ont fait des pronostics sur le concours, 13 ont choisi la France. Voilà qui est bon. Et passons au concurrent suivant, c'est l'Allemagne qui est représentée par une dame qui s'appelle Joy Fleming, dont on nous dit qu'elle est une des meilleures chanteuses de musique légère d'Allemagne. C'est-à-dire que c'est la musique qui est légère et non pas l'interprète. On n'a jamais vu, en tout cas, on n'a jamais vu une chanteuse allemande atteindre comme elle la deuxième place du World Popular Song Festival de Tokyo en 1973. Le compositeur et en même temps le chef d'orchestre, vous allez voir arriver dans un instant, dès que Joy Fleming, l'interprète, a fini son dessin, s'appelle lui le chef Rainer Pitsch. Il est arrivé venant de Leipzig en 1958 dans l'Allemagne de l'Ouest et il a été saisi par la fièvre du rock. Et vous allez voir que cette fièvre apparemment ne l'a pas complètement quitté. Joy Fleming pour l'Allemagne chante une chanson, peut-être un pont. Qui vient de chanter une chanson, peut-être un pont, représentant de l'Allemagne. Le Luxembourg maintenant, qui va nous ramener un peu de douceur par l'intermédiaire d'une interprète qui vient d'Irlande. Elle s'appelle Géraldine. Le Luxembourg a choisi sa voix du côté de l'Irlande pour ce concours Eurovision de la chanson 75. Elle est ravissante. Elle a autour d'elle une équipe bien constituée puisqu'elle a été découverte par Phil Coulter. Phil Coulter, qui est le compositeur et le chef d'orchestre que vous allez voir arriver dans un instant, qui a gagné le concours Eurovision de la chanson pour la Grande-Bretagne avec Puppet on a String, interprété par Sandy Shaw, et qui a été second avec Congratulations en 1968. Elle a aussi Bill Martin comme auteur-compositeur, et enfin Pierre Court comme parolier. Pierre Court, vous vous rappelez peut-être du régisseur Albert de Francis Blanche, merveilleux parolier de chanson. Géraldine chante pour le Luxembourg, pour RTL, Toi. Madame la Irlandaise du Nord, Phil Coulter. D'ailleurs, il n'y a pas d'Irlande du Nord ou du Sud ici, il y a l'Irlande.
championne de Luxembourg. Je me suis endormie en écoutant ta voix, en oubliant ma vie au creux de toi, au creux de toi. Je me suis réveillée, j'ai retrouvé ta voix et je savais aimer. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi. Puisque tu vas voler mes souvenirs d'enfant, laisse-moi les garder juste le temps, juste le temps. Au revoir mes 15 ans, de courir dans les bois et de laisser le vent chanter pour toi. Chanter pour toi. Peu à Dalida, vous ne trouvez pas? Après Géraldine qui a représenté RTL, Radio-Télé Luxembourg, avec cette chanson de Phil Coulter et de Pierre Court, toi. Voici maintenant Hélène Nicolaïsen qui représente la Norvège, une belle blonde scandinave. Belle enfant blonde nourrie de crème et de brioche, comme l'écrivait Victor Hugo. Elle a représenté l'an dernier son pays au Festival de la chanson organisé à Tokyo. Non seulement elle a décroché le Grand Prix pour la chanson qu'elle a interprétée, mais elle a obtenu aussi, à titre personnel, le prix de la meilleure interprétation. Elle nous chante une chanson, Il nous aurait fallu l'été, titre français, dont le titre anglais est Touch My Life. D'ailleurs, elle va chanter en anglais. Je me demande pourquoi, parce que le titre original en norvégien est Det skmula vært sommerna. Aucun rapport avec le titre anglais, comme vous pouvez le constater. Le chef d'orchestre sera Carsten Kluman, ancien pianiste de jazz réputé et attaché à la télévision norvégienne. Il nous aurait fallu l'été. You came along and touched my life with summertime and filled my soul with rain.